concours que nous avions lancé au mois de mars de l'année 2020, mais ensuite, à cause des problèmes liés à la Covid-19, on a dû reporter parce qu'on n'avait pas eu assez de candidats. On a reporté en mai, et puis je crois encore reporté en juillet. Et finalement, on a clôturé. Et donc, nous avons eu 9 candidats qui répondaient en tout cas aux critères. Et parmi lesquels, vous êtes ici à 4. Parce que il y en a d'autres qui proviennent d'autres villes de l'Est. Bon, on s'est dit que ce n'était pas la peine de les faire venir à Kinshasa pour les ramener à Kindu. Je crois peut-être que quand on était dans la salle d'attente, vous avez vu que l'année passée, il y avait une cérémonie où on a reçu les boursiers. Alors, il y aura une cérémonie similaire, qui ne sera pas aussi grande que celle de l'année passée, mais il y aura une cérémonie similaire qui sera faite ce week-end dans la ville de Kindu. Donc, je vais commencer par Mouézé, qui est juste à côté de moi. Voilà. Je me nomme Mouézé Ndia Joseph. Je viens du collège Séraphin de l'Unité. Depuis que j'étais petit, je me disais que je dois faire la polytechnique pour finir à la filière architecture, pour être architecte. Mais vu la condition de l'Unité, c'est vrai que j'ai des idées déjà. Et puis, je me suis inscrit à l'université de Lambert pour l'informatique. J'étais surpris un mardi qu'on m'appelle que j'ai réussi cette bourse. Et puis, Dieu a fait grâce que mon rêve soit réalisé pour faire la technique à l'université. Merci. Je m'appelle Chipon Mamoutou Daruben. Je viens du Congo central. J'ai étudié à l'Institut Mondial là. Ça aussi, notre école ici à Kinshasa, l'Immaculée Conception. Ici, ça s'appelle l'Immaculée Conception. Là, au Congo central, on l'a mis à Kikongo. Oui, ça fait là. Oui. Et j'ai étudié dans cette école. J'ai fini en option biochimie. Mon rêve était d'abord, au départ, je voulais devenir médecin. Mais au final, ces envies sont passées quand j'ai découvert l'informatique. Oui, je postulais pour la bourse Mampon, je crois, en année 2019. Là, j'étais encore en 5e. Je ne savais pas que je devais être en 6e. Depuis, on ne m'a jamais répondu. Puis, certainement, vous n'étiez pas dans les critères. Oui. Puis, une fois arrivé en 6e, après la période du Covid-19, vers la fin, je crois, au mois de novembre, ici, novembre, je ne me trompe pas. On m'a envoyé un email disant que j'ai obtenu une bourse pour la fondation Mampon. Puis je suis venu à Kinshasa sur un coup de tête. J'ai logé chez ma tante qui est là pour le moment. Pour encore une journée. Oui. Pour encore une journée. Parce que les cours ont commencé aujourd'hui. Donc, oui. Il faut aller à Kindu. Ensuite, je l'ai annoncé à papa. J'étais tellement content, c'est ce qu'il attendait de moi. Et je crois que je vais rendre fier en obtenant cette bourse. Merci beaucoup. Mon nom est Soukouré, le compte de ma prochaine. Je viens de Quater, précisément à Mandaga. Je fais la maths physique, j'ai obtenu mon diplôme. Et c'était à travers un ami qui m'a appris que la fondation Mampon est en train de chercher le boursier, si vous le postulez. Et j'ai tenté aussi ma chance. C'était au mois de mars avant le confinement. Et j'avais même oublié, je faisais autre chose. Subitement, vers la fin, ce mois de novembre, puis décembre, je crois, il y a eu un email, parce que c'est papa qui était toujours en communication et qui suivait tout à la loupe. Il m'a dit qu'on a envoyé une présélection pour aller à l'université Mampon. C'était un événement, parce que j'ai toujours rêvé de faire l'ingénierie, parce que le pays est vaste. Il y a beaucoup à reconstruire dans ce pays et il faut améliorer, parce que les ingénieurs sont à la base de tout. Et c'est ça, Dieu merci, mais les rêves se concrétisent. Et nous disons toujours que nous devons faire l'essentiel pour pouvoir montrer nos performances et rendre notre service de notre pays. Vraiment, je vous suis reconnaissant. Et à Mandata, vous étiez dans. À l'Institut Craig.
Alors, on peut d'abord applaudir quand même. Alors, ils ne sont pas venus seuls, ils sont accompagnés. Je vois maman, je vois papa. Je vais un peu vous passer la parole, juste pour même un petit mot. Je vais dire aussi qui nous accompagne. Et comme ça, moi, je suis pas je travaille à 2GU. Oh, mais moi, par exemple, montre ça, ça se trouve au boulevard. Moi, je suis tout près de votre travail. Je veux aussi participer pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. C'est mis, c'est la sécurité des enfants. Hein. Faut pas que. On peut, ça peut être aussi des imposteurs qui se font passer pour la Fondation Macron. Ouais. Non, mais ici, vous êtes bel et bien chez nous à la Fondation. Merci. Papa, moi, c'est loin des yeux. Oh, comme, comme le président d'Orel. Oui. Comme l'héros national. Oui. Et c'est les grands frères, c'est pas moi, je parle tout le temps. Oui. On t'a arrivé un jour à l'Université. Vous savez, c'est des marches pour l'inscription, tout ça. Depuis qu'il a commencé la démarche, il n'avait jamais annoncé à la famille qu'il avait prospéré au niveau de l'université maintenant. Marie, moi-même, parfois j'ai une information sur l'histoire concernant maintenant, mais ça ne veut pas que le plus frère était la meilleure. Le jour où on poursuivait les démarches, on l'a appelé et il a reçu le premier appel. On dit, est-ce que vous êtes capable de répondre au pourcentage que vous avez fait prospérer pour le prospérer? À part là, j'ai compris que non, les petits avaient une chance d'aller affronter les études universitaires avec la plus grande, je crois, la plus grande capacité. C'est là où j'ai été vraiment ravi. Je crois qu'il est petit référent. Bon, oui, ça fait bien. Merci beaucoup. Alors, j'allais demander, est-ce que vous êtes venu de Mandaka ou vous étiez à Kinshasa? Mandaka, je suis venu 4 semaines avant qu'on appelle ici. J'étais déjà à Kinshasa. En Mandaka, 4 semaines avant, j'étais déjà ici. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas, Sacré, si tu as un mot à dire. Si j'ai un petit peu à moi, c'est plus que ça. Gentil. Voilà. Par rapport au mot à dire, j'ai voulu juste y rappeler que pour les présélections, c'était ce bal de moyens obtenus à l'école secondaire, mais aussi la conduite. On regardait tout ça de plus près. Et pas seulement l'examen d'État. Parce que pour vous, par exemple, on a vu que les dernières années à l'école secondaire, ce n'était pas très fameux. Mais quand on regarde, par exemple, les années antérieures, on a vu de bonnes performances. Et qui ont fait à ce que tout savoir la moyenne sur l'école secondaire de 80%. Et quand on regarde, par exemple, les jeunes amis, ceux qui, par exemple, pratiquent, j'ai dit, donc il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Je crois qu'ils sont déjà des personnes aussi qui ont vraiment besoin de fonds d'une bourse pour pouvoir développer, épanouir ces potentiels-là. Ils ont créé les ambitions qu'ils ont rencontrées.